أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nuit et jour, sans cesse. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette sa bénédiction, son salut sur le sceau des prophètes, le prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille et ses valeureux compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Inch'Allah, nous continuons avec le thème que nous avons débuté la semaine dernière. Il s'agit des actes désapprouvés, les actes déconseillés de la prière. Et pour revenir un peu sur ce que ça veut dire, ou c'est qui viennent de nous prendre en marche. Un acte désapprouvé, déconseillé, souvent même dit abominable, ça veut dire un acte qu'on ne doit pas faire. Et lorsque on évite de faire ce genre d'acte-là, un mérite nous est inscrit. Mais lorsqu'on commet cet acte-là, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché à ce qu'on pose cet acte, mais il est déconseillé de le faire. Il est désapprouvé de le faire. Et quand on laisse l'acte, quand on évite l'acte, il y a une récompense qui nous est prescrite, qui nous est écrite. Donc le musulman doit faire quoi? Le musulman est toujours à la recherche des mérites. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va nous dire dans un de ses hadiths, « Al-mu'minu la yashba'u min amal al-khayr » Le croyant, le vrai musulman, c'est celui qui n'a jamais assez de bonnes actions. Lui, il est là toujours. Quand on dit ça, c'est bon, il fait. On dit ça, c'est bon, il fait. On dit ça, là, c'est pas bon, il laisse. C'est ça, on dit, un vrai croyant. Pourquoi? Parce qu'un vrai croyant, c'est quelqu'un qui a des ambitions. De la manière dans notre vie mondaine là, on a des ambitions, je veux devenir tant, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et à cause de ça, on fournit les efforts. Le croyant aussi, c'est comme ça. Lui, dans sa spiritualité là, il est ambitieux. Il veut une grande place dans les récompenses d'Allah, dans le paradis. C'est ça le vrai croyant. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam à un tel, demande-moi quelque chose. Il dit, prophète, je vais être à côté de toi dans le paradis. Ah, c'est que tu as beaucoup de travail à faire. Toi-même, il faut m'aider à avoir cette place-là. C'est-à-dire, moi, prophète, il ne va pas suffire que je fasse les doigts pour toi. Non, toi-même, tu dois faire travail pour avoir aussi la place à côté de moi. Donc, le prophète dit, Al-mu'minu la yashba'u min amal al-khayr. Le croyant n'a jamais assez de bonnes actions. Le prophète dit encore, إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَسْأَلُوا الْفِرْدَوْسِ. Lorsque vous demandez le paradis à Allah, demandez le côté VIP là. Le côté des grands types, des grands patrons VIP. Very important personnes. Les grandes personnes, où ils sont là? Il faut chercher là-bas. Firdaus. Pourquoi? Parce que le prophète, derrière ce hadith là, il veut dire que est-ce que quand tu vas chercher grand, tu vas faire petit travail? Non. Si tu cherches grand, tu dois faire grand travail. Toute cette introduction-là, pourquoi? Pour dire aux musulmans, lorsque nous sommes dans la science de fiqh, on va te dire que ça là, c'est vrai, il n'y a pas péché dedans. Mais il ne faut pas faire. Ça là, ça ne gâte pas ta prière. Mais il ne faut pas faire. Ça là, même si tu laisses là, ça ne fait rien. Mais si tu fais, il y a mérite dedans. Dans ces idées-là, lorsqu'on explique, le vrai croyant, lui, cherche toujours où on dit à mérite. Ce qu'on dit, il ne faut pas faire. Même s'il n'y a pas péché dedans, lui, il ne fait pas. C'est ça le vrai croyant.
Le croyant n'est pas fainéant. Quand on dit, bon, tel nafla là, ça c'est nafla, c'est pas obligatoire. Il dit, ah, comme on dit, c'est nafla là, moi je laisse. On dit que dans la prière, il ne faut pas faire comme ça, mais il n'y a pas péché dedans, ça ne gâte pas ta prière. Comme on dit qu'il n'y a pas péché dedans, comme on dit que ça ne gâte pas la prière, moi je vais faire. Non. Tu n'es pas croyant ambitieux. Si on pouvait dire, entre guillemets, tu es croyant fainéant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-mu'minu qawi. خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير le croyant fort spirituellement c'est un des sens hein? Fort dans la tête fort physiquement il est plus aimé il est meilleur chez Allah plus que le croyant faible mais le prophète dit وفي كل خير il y a le bien dans tous les deux hein? Tant que tu es croyant le mot croyant peut s'appliquer sur toi, tu es déjà bon. Mais ce que Dieu aime plus là, c'est le fort là. Quand on dit ça là, c'est bon net, il fait. Quand on dit ça là, c'est bon net, il fait. C'est ça Dieu aime plus. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Celui qui écoute le fiqh avec la foi, celui qui écoute le fiqh avec la tête, ça va le pousser à faire les bonnes actions. Celui qui écoute le fiqh parce qu'il doit venir écouter, il va penser que le faqih, le théologien ne veut pas que tu fasses beaucoup d'adoration. Non, non, non. Il t'explique la loi de Dieu telle qu'elle est. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, on continue avec les actes désapprouvés de la prière. Et dans la séance passée, nous avons expliqué pourquoi l'acte est désapprouvé. Parce que, un, soit il y a un texte dessus qui parle de l'acte, et souvent même qui vient avec une expression d'interdiction. Seulement que le degré de hadith, l'authenticité de hadith, la signification de hadith n'est peut-être pas très claire. C'est pourquoi au lieu de mettre le hadith sur l'interdiction, le savant va mettre sur la désapprouvation. Il ne va pas dire que c'est interdit. Tu vois, on dit que « Naha rasulillahi an kada » Le prophète a interdit de faire telle chose. Est-ce que le mot interdit ici, ça veut dire c'est haram? Non. C'est pourquoi on a besoin de cette science qu'on appelle usul al-fiqh pour pouvoir comprendre les textes, le Coran, les hadiths. Sans usul al-fiqh, tu vas dire beaucoup de choses dans la religion de Dieu qui n'est pas vrai. Soit tu vas durcir les choses qui ne sont pas dues, tu vas faciliter les choses qui sont dues. Bien. La fois passée, on va un peu revenir sur ce qu'on avait dit qui est compté parmi les actes désapprouvés, c'est tourner le corps, ou bien regarder à droite et à gauche. Ça, c'est désapprouvé. Est-ce que ça annule la prière? Non. Quand tu es dans la prière, tu laisses, tu ne regardes pas à côté, tu ne regardes pas à droite, tu as mérite. Ça monte ta concentration. Ça monte à dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu venais à faire, il n'y a pas péché dedans. Ça n'annule pas ta prière. Mais c'est que la prière que toi tu fais là, tu fais comme ça. Pourquoi on dit que tu es musulman? On avait déjà dit ça. Deuxièmement, tarmi de l'aïnen, fermer les yeux. C'est juste un rappel. Troisièmement, réciter la basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, avant la fatiha. On va bien préciser. Et on avait déjà dit, chez les malikites. Est-ce que c'est les malikites qui sont les prophètes qui nous ont été envoyés? On dit non. Ce raisonnement-là, c'est faux. Quand on te dit que chez les malikites, quand on dit que l'imam Malik a dit, ça ne veut pas dire que c'est lui les prophètes. Ça veut dire qu'il y a un hadith de prophète là. L'imam Malik a compris comme ça. C'est la compréhension qu'on est en train d'expliquer. Je te donne les hadiths. Anas dit que moi j'ai fait la prière après le prophète. Quand il priait, j'ai fait la prière après le prophète, après Abu Bakr. Après Omar, il ne disait pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il disait automatiquement Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais c'est parce que tous les savants n'ont pas appliqué ce hadith-là que l'imam Malik seul a appliqué le hadith. Quand on dit que les Malikites, sinon ce hadith existe, d'autres hadiths aussi existent. Donc ça fait deux hadiths. Lui qui prend ça, ça fait une voix. Lui qui a pris l'autre, ça fait une autre voix. Donc c'est la voix, la compréhension.
Donc, si tu trouves un imam, si tu trouves un oustad, si tu trouves quelqu'un, lui, dans sa prière, il dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », pourquoi tu vas faire palab? Il n'y a pas lieu de faire palab là-bas? Non. Donc, « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » et « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Donc, « Allahu Akbar », automatiquement, « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Très bien. Maliki dit que, c'est-à-dire, selon ce que nous on a compris, dans ce que le prophète faisait, tu ne dis pas ni en haute voix, ni en voix basse. Est-ce que vous m'avez compris? Bien. Essaye de télécharger une vidéo de Imam Soudès, par exemple. Tu vois, quand lui fait Allahu Akbar, il va faire Subhanak Allahumma, tu vas entendre souvent. Il va faire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il va commencer à lire. Ce qui veut dire que, un, ceux-mêmes qui disent qu'on dit Bismillah, ils sont divisés en deux. Il y a une partie qui dit en voix basse. La deuxième partie va dire en haute voix. Quand tu vas dans certains villages, tu vas voir le papa qui est imam, là, il va dire Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah. Il n'y a pas de problème. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ça, c'est, on avait déjà dit ça. Donc, pareillement pour A'udhu Billahi. Et regarde ce que souvent on ne comprend pas. Chez les mêmes malikites là, si c'est nafila, il n'y a pas de problème. Tu te lèves la nuit pour prier. Tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi spécifier Farida et dans la nafila c'est permis? Ils disent que nous on a les preuves que pour Farida, là, le prophète ne faisait pas. Mais pour nafila là, comme nafila est vaste, il y a beaucoup de doigts, mais on peut dire dans nafila, on ne peut pas dire dans Farida. Donc c'est pourquoi là-bas, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il n'y a pas de problème, on peut dire ça là-bas. Bien. Maintenant, c'est la nouvelle leçon, aujourd'hui on commence ici. Walwukufu ala rijlin wahidatin. Parmi les actes désapprouvés de la prière, s'arrêter sur un seul pied. J'ai pris Bamba. Donc je suis en train de prier, j'espère qu'on me voit. Voilà. Attends, je vais bien m'arrêter ici. Voilà. Parfois, quelqu'un est en train de prier, Allahu Akbar, et tu vois, il fait comme ça. Ou bien il fait comme ça. Ou bien il fait comme ça. En tout cas, prier sur un seul pied, quand tu trouves quelqu'un, il est en train de prier, il a fait comme ça. Ou bien il a fait comme ça. Toi, tu es assis à côté, il a fini la prière. On dit, bon, on te donne le droit de juger. Est-ce que sa prière est valable ou bien c'est annulé? Non, selon ce qu'on est en train d'expliquer. C'est-à-dire, prier sur un seul pied là. On est en train de citer ça dans un chapitre. C'est-à-dire, les actes désapprouvés. Et on a bien expliqué. Donc, il faut se baser sur ce qu'on est en train de dire pour dire est-ce que sa prière est annulée ou ce n'est pas annulé. C'est pas annulé. Mais est-ce que ce qu'il a fait là, c'est bon? C'est pas bon. Pourquoi? C'est en contradiction avec la dévotion, le sens même de l'adoration qu'on dit dans la prière. Quand tu es dans la prière, Allah Akbar, le prophète dit Al-Musalli yunadi rabbahu. Celui qui prie là, il est en train de causer, il est en audience avec Allah. Allah qui est très grand, plus grand que le ciel, plus grand que les anges, plus grand que tout, qui rentre dans notre univers maintenant. Dans notre univers, il y a ceux qui sont grands. Et toi, tu pries pour le Seigneur de l'univers, tu es là, à faire comme ça. Donc, ça ne va pas avec la dévotion recherchée dans la prière. Donc, c'est un acte désapprouvé, c'est un acte déconseillé. Qu'Allah donne la bonne compréhension. As-salatu al-wukufu ala rijlin wahida. Regardez très bien, les savants là, les théologiens, ce n'est pas des gens qui parlent comme ça. Ils ont des règles. Je prends un verset dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, un verset qui est considéré comme une règle chez les savants. Il pèse beaucoup de choses sur ce verset. Allah dit dans la Surat al-Baqarah, « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ». Retiens très bien ce verset. Allah n'inflige à aucune âme un fardeau qu'elle ne peut pas supporter. Ce verset est une règle générale dans la théologie musulmane. Donc, si on venait à faire tahajjud, bientôt Ramadan, qu'Allah nous donne longue vie, la santé, dans les 10 dernières nuits, on va venir faire la prière ici. Dans une seule raka, on peut lire beaucoup de versets, souvent un hizb ou un demi-hizb. On n'a pas le même corps. Moi, ça me fatigue.
Est-ce que dans ce cas, lorsque pour me rafraîchir un peu, je mets un pied là-bas, je mets un pied ici, pour que ça soit un peu facile pour moi. Est-ce qu'on va dire que ça c'est désapprouvé? On parle de désapprouvé, on ne parle pas d'interdiction. Il faut donner à chaque chose sa terminologie. Est-ce que ça sera désapprouvé? Non. Pourquoi? À cause du verset. La yukalifu Allah nafsan illa wus'aha. At-taklifu bihasabil wus'i. Hein? C'est pour tout le monde. J'espère qu'on comprend. Donc quand tu viens faire la prière ici, là, la nuit, il ne faut pas regarder les yeux des gens, hein, sinon tu vas tomber. Quand tu es fatigué, si tu veux, tu peux lever un pied pour que ça soit facile pour toi, il faut faire. Si tu veux, là, il faut t'asseoir. Si tu regardes là, c'est toi tu vas tomber et puis on va se moquer de toi. Tu ne voulais pas qu'on se moque de toi, on dit que non, lui là, il est feignant. C'est pourquoi tu as refusé de t'asseoir, non? Quand tu vas tomber là, on va plus rire encore. Voilà, donc, s'arrêter sur un seul pied, ça fait partie des actes désapprouvés. S'il n'y a pas de besoin, pourquoi? Ça ne va pas avec le sens de la prière, la dévotion qui est recherchée. Quelqu'un priait un jour, il s'amuse avec la barbe. Le prophète dit, si ton cœur était dévoué, tous tes organes, les parties de ton corps allaient être dévouées à Allah. C'est parce que dans ta prière, l'adoration que tu es en train de faire, ça ne vient pas de ton cœur. Le prophète dit, لَوْ خَشَعَ قَلْبُكْ. Si ton cœur était désavoué, et avec la dévotion dans ton cœur pour Allah, tout le corps allait suivre. Et c'est pourquoi le prophète dit dans un hadith, inna fil jasadi la mudghatan. Il y a un morceau de chair dans le corps humain. Iza saluhat saluhal jasadu kullu. Si ce morceau de chair est bon, tout le corps va suivre forcément. Tout le corps sera bon. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Si ce morceau aussi de chair est gâté, c'est gaspillé, tout le corps aussi sera gaspillé. Quel est ce morceau? C'est le cœur. Ici. Tout part d'ici. Si ici c'est bon, tout le corps va, ce sera bon. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc, al-wukufu ala rijlin wahida. Il ne faut pas faire ça. Bon, si ton imam, dans une seule raka, il peut faire 10 minutes ou bien 5 minutes. Si ça te fatigue, même si c'est farida, tu peux lever les pieds. Mais toi aussi, il faut être raisonnable. Souvent, nous, on aime trop la facilité. Ce n'est pas une obligation de réciter toujours les longs versets. On avait déjà parlé de ça. Et le tahajjud, oui. Est-ce que c'est obligatoire de réciter les longs versets dans le tahajjud? D'abord, le tahajjud lui-même n'est pas obligatoire. C'est de là-bas qu'il faut partir. Le tahajjud lui-même n'est pas obligatoire. Donc, c'est un acte méritoire. C'est conseillé aux musulmans de faire. Donc, c'est dans la même optique que lire les longs versets aussi est demandé. C'est demandé, mais pas obligatoire. C'est pourquoi, si tu es seul à la maison, surtout, que tu es en train de faire, si tu veux lire un seul verset et puis tu fais ta prière, il n'y a pas de problème. C'est considéré toujours comme tahajjud. Mais, les savants disent dans une des règles Al-Ajru bi qadri al-mashaqqa. Les mérites te seront donnés selon l'effort que tu fournis. Comment est-ce que moi je vais faire une prière? Je vais réciter 10 versets, toi tu vas lire un verset et puis on aura les mêmes mérites parce qu'on a fait les mêmes deux rakas. Non, c'est pas parce qu'on a fait les mêmes deux rakas. Mais le fait que moi j'ai allongé la rakat, j'aurai ces mérites-là que toi, tu n'auras pas. Non. Donc, dans tahajjud, c'est recherché. On ne fait pas pour rien. Et c'est pourquoi on doit être vraiment raisonnable. Ça doit être modeste. Pas trop long. Pas trop facile aussi. Mais si on venait à être d'accord, on dit, bon, nous, dans notre mosquée-là, chaque raka, on va faire une minute. Il n'y a pas de problème. Non. Donc, « Walukufu ala rijlin wahida » Il a, à l'exception, Aliyatul al-Qiyam, si l'imam a fait une longue rakat, et tu as besoin de vraiment rafraîchir les pieds. Et je vais aller un peu plus loin. Peut-être dans notre mosquée, alhamdoulilah, il y a les climatiseurs,
je ne pense pas qu'il doit y avoir les moustiques ici. Mais il y a certaines mosquées où il y a les moustiques là. Non, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te dire qu'il faut lever les pieds pour gratter. Toi-même, tu vas faire ça. À moins que tu portes les chaussettes, les longues chaussettes. Personne ne va te dire, toi-même, tu vas gratter, tu vas lever le pied là-même. Parce que ça chauffe. Ah. Donc, quand il y a le besoin, on ne parle même pas de l'acte désavoué. C'est permis même. Non. Waktiranu ridilaihi et coller les pieds. Donc, voici l'un des actes des conseillers désapprouvés dans la prière, c'est de coller les pieds. Là, on va expliquer aussi. Mr. Bamba, quand on prie, on doit être bien, modeste, dans le juste milieu. C'est pas comme ça. On ne prie pas comme ça. Souvent, en voulant coller les pieds, tu vois, on finit par être comme ça. Et regardez ce que ça gâte, le fait d'écarter les pieds. Dans la prière, tu dois être normal. Donc, même ta taille aussi doit être normale. Si je mesure 1m75, 1m76, dans la prière, je dois faire 1m75, 1m76. Mais regardez très bien, lorsque tu écartes, la taille va diminuer. Quand tu vas faire carte d'identité là, qu'est-ce qu'on te dit? On dit de bien t'arrêter, de bien coller. Parce que quand tu écartes, ça diminue aussi la taille. Donc, il ne faut pas vouloir coller et finalement, toi-même, tu te trouves comme ça. Non, non, non. Et ce qu'on est en train de dire là aussi, on ne colle pas. Les deux pieds ne sont pas collés. Le prophète ne priait pas comme ça. On écarte un peu. Pas trop. Et on prie. Si tu pries à côté de quelqu'un, tu as poussé ton pied, il a poussé. C'est que lui, là-même, il ne veut même pas que tu colles. Le prophète dit de coller les pieds pour ne pas qu'il y ait des problèmes entre nous. Mais toi, ce que tu es en train de faire là, ce que le prophète voulait éviter, c'est ce que tu es en train de faire même. Parce que c'est en enlevant tes pieds, l'autre va penser que tu te prends, tu penses que tu es mieux que lui. Ça va le frustrer. Maintenant, lui-même, il ne veut pas que tu le touches. Toi aussi, tu vas là-bas. Ce que le prophète voulait éviter, toi, tu es en train de faire ça. C'est pourquoi les textes là, il ne faut pas les lire seulement. Il faut aller au-delà des textes. Il faut comprendre les textes. Dieu lui a dit que non, le prophète dit qu'il faut coller. Donc, même s'il va là-bas, lui va aller derrière lui. Non, ce n'est pas ce que le prophète a dit. C'est comme ça que tu veux comprendre. Tu as la bonne compréhension. Donc, parmi les actes désapprouvés de la prière, c'est de coller. On ne colle pas. Tu vas aller trouver peut-être quelqu'un quelque part là-bas, il colle les pieds et il prie comme ça. Il y en a un, j'ai vu. On n'a pas cité des noms seulement. En tout cas, nous, ce n'est pas comme ça nous on prie. Nous, on en est texte. Et ces textes qu'on suit là, selon un raisonnement, une école de compréhension de texte, nous, on ne prie pas comme ça. Lui qui prie comme ça, peut-être que chez lui là-bas, nous, on ne fait pas comme ça. Quand on donne la bonne compréhension. Ensuite, waja'al dirhamin aw ghayrihi fi famihi. Parmi les actes des conseillers de la prière, c'est de mettre une pièce d'argent dans la bouche ou autre chose. Une pièce d'argent ou autre chose. Tout ce qu'on est en train de citer maintenant là, depuis à commencer de prier sur un seul pied, ces actes-là sont en contradiction avec le sens de la dévotion de la prière. Donc, mets quelque chose dans la bouche. Voilà, ceux qui aiment aussi, mets les curdents dans la bouche là. Il a mangé une bonne viande, il a pris curdent, il a bien curé les dents là. Après, il laisse le curdent dans la bouche et dans ça, tu vas y prier avec. Ou bien les aliments, il y a des gens qui aiment aussi mettre aliments ici. Et peut-être il a oublié, peut-être par exprès, Allah Akbar, il y a quelque chose dans la bouche là-bas. Toi, quand tu le vois, est-ce que tu dois dire que sa prière est invalide? Non. Mais est-ce que ce qu'il fait là, c'est bon? C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Ça ne va pas avec le sens de la prière. Il ne donne pas de la considération à sa prière. Donc, mettre quelque chose. Souvent même, c'est les bouts de la vie. Tu as coupé une file comme ça. Un fil, c'est dans ta bouche.
ou bien les petits morceaux, les morceaux de la nourriture, il faut enlever, il ne faut pas laisser dans la bouche. وكذلك كل ما يشوش في جاي في جيبه. Ah, maintenant on vient aux poches. Tout ce qui peut te mélanger dans la prière, tout ce qui peut attirer ou te déconcentrer dans la prière, il ne faut pas mettre dans la poche. Les clés, les téléphones, il ne faut pas mettre dans la poche. Au kumihi ou dans les manches de l'habit. Est-ce que moi, dans les manches de mon habit, on peut mettre quelque chose? Non, c'est qu'on ne parle pas de moi. Moi, dans ma culture, il n'y a pas ça. Mais y a, dans la culture de certaines personnes, les manches, là, on peut mettre quelque chose là-bas. Il y en a, hein? Des cités. Vous n'avez pas regardé le film de Jet Li. Tu as vu, il a enlevé la lettre ici. Hein? Donc, dans la culture de certaines personnes, on met quelque chose là-bas. C'est les gens poches. Moi, chez moi, ça, ça n'existe pas. Très bien. Donc, à la zohri ou sur le dos. Donc, les sacs à dos, par exemple. Dans la bouche, dans les poches, dans les manches de l'habit, sur le dos, tout ce qui peut te déconcentrer, il ne faut pas faire. Mais là, il faut bien expliquer les choses. Hein? Oui. Oui. Hein? Oui. Hein? Oui. D'accord. Oui. Mm-hmm. Oui. Bien, on va expliquer ça. Mais je vais terminer d'abord ce que je suis en train de dire. L'auteur dit que tout ce qui peut être déconcentré, il faut bien comprendre les choses. Pourquoi? Nous sommes en 2024, n'est-ce pas? Nous, notre vie, ça va avec les téléphones. Ça ne nous gêne pas. Il peut y avoir un téléphone dans ta poche, tu ne sais même pas qu'il y a un téléphone dans ta poche. Peut-être que la nouvelle personne, c'est que la première fois que vous avez eu le téléphone portable, peut-être c'est à ce moment-là que ça pourrait vous déconcentrer. Mais avec le temps, c'est devenu notre mode de vie. Moi, je pense que ça ne peut pas moi m'empêcher à prier. Oui. Oui. Mm-hmm. Donc, vous avez parlé de sonner. N'est-ce pas? Je viens. Sonner, non? Ce qui veut dire que même si c'est en bas, si ça sonne là, à faire des millions en train de parler, ton idée va partir de ça. Hein? On parle de simplement avoir quelque chose dans la poche. Ça sonne pas, c'est pas de ça qu'on parle. Comme on avait parlé de la pièce, est-ce que ça sonne? Maintenant, quand on met dans la poche, le fait que c'est lourd, tu sens qu'il y a quelque chose dans ta poche, c'est de ça qu'on parle. On met sonner là d'abord à côté. Et c'est nous, on a donné l'exemple des téléphones. Lui, il ne connaissait même pas téléphone. N'est-ce pas? Voilà, sonner c'est quelque chose. Mettre une chose dans ta poche, tu sens qu'il y a quelque chose dans ta poche, c'est de ça qu'on parle. Donc nous, notre vie aujourd'hui, quelqu'un il prie, il met le téléphone dans sa poche, ça ne veut rien dire. Surtout avec le téléphone faible là. Maintenant, papa vient de dire que quand ça sonne, c'est dans ta poche. C'est plus facile de couper que quand c'est posé à terre. C'est pourquoi il fallait que je termine ma parole avant de venir là-bas. Mettre quelque chose, nous, en tout cas notre vie d'aujourd'hui là, mettre un téléphone dans ta poche, ça ne veut rien dire. Ça ne nous empêche pas de prier. Ta tête même n'est pas sur ça, à moins qu'il y ait un rendez-vous. Et même s'il y a un rendez-vous, même si c'est posé, toi maintenant, dans ce doute-là, même si ça n'a pas sonné, toi-même, tu vas regarder. Même si ça n'a pas sonné, toi-même, tu vas regarder. N'est-ce pas? Hein? Donc, celui qui veut mettre dans la poche, il n'y a pas de souci. Celui qui veut poser, il n'y a pas de souci. Puisque nous, ça ne nous gêne absolument rien. Maintenant, il faut qu'on continue dans la réponse. Tu es dans la mosquée, ton téléphone est en train de sonner. Est-ce que tu as baissé pour prendre le téléphone pour couper, ça gâte quelque chose dans la prière? Non. Ça ne gâte rien. On avait cité beaucoup de choses que lorsque ces besoins-là te viennent, tu peux même te déplacer. On a parlé de comment on appelle Al-Qayyou, le vomissement.
Quand tu es dans la prière, tu sens que tu veux vomir et qu'il y a la place, tu pouvais sortir, aller vomir et te nettoyer, venir t'arrêter sans donner d'eau à la cava. On a dit que ta prière est bonne, non? On a parlé de ça. Donc, tu t'as baissé pour prendre le téléphone là, ça, ça va gâter quoi dedans? Rien. Au lieu de nous laisser même, ça va nous gêner. C'est ça même que tu peux avoir un problème dedans. Toi, tu as baissé pour prendre, pour couper là, ça fait quoi? Ça fait rien. Rien du tout. On va mieux expliquer. Parce que dans la prière, on dit à Solatu, Akwalu, ou Afalu, Taptali ou Bitakirati, Iram ou Tantahi Bissalam. Quand on dit la prière, ce sont des paroles et des actes bien dénombrés, bien ordonnés, qui commencent par le premier takbir et finissent par le salam. Donc quelqu'un peut comprendre que quand il y a téléphone, le fait de s'abaisser là, il a fait un acte dans la prière, tel que le ruku ou bien le sujoud, qui doit annuler. Non. On parle d'un besoin. Tu te fais abaisser, mais tu n'as pas fait le ruku. Est-ce que quand toi tu t'abaisses, tu fais un ruku pour prendre? Ou bien tu t'assois pour prendre? Non. Et dans le livre, arrivé quelque part, il va nous parler de Azahma. Si ça trouve que c'est le pantalon qui est tombé, il va traiter le cas. Tu es là, la ceinture est coupée. Le pantalon s'est baissé. Est-ce que quand tu vas te baisser pour prendre, on va considérer ça comme un ruku ou un sujoud, donc ça va annuler ta prière? Non. Donc, pour dire que lorsque le téléphone est à terre, c'est en train de sonner, c'est un besoin naturel qui te fait abaisser pour prendre. Tu n'es pas en train de faire un ruku ou bien un sujoud dans la prière. J'espère qu'on a compris. Très bien. Quand ça sonne, oui? Il est obligatoire de descendre pour prendre ton téléphone éteint. Au lieu de laisser, ça va nous tous nous perturber. C'est les deux choses-là, il faut comparer. Tu as peur de descendre et tu es en train de mélanger l'imam lui-même. Calme dans la bonne compréhension. Ah, mais c'est comme ça, hein. Tu es en train d'embrouiller tout le monde. Abaisse-toi, prends, coupe, ça n'annule pas ta prière. Oui? Même si c'est Farida. Même si c'est la prière obligatoire. On est dans la prière de Isha. Ton téléphone est en train de sonner. Ça va mélanger nous tous ici. Abaisse-toi, prends ton téléphone, coupe. Ta prière n'est pas gâtée et tu nous libères aussi de... Hein? Calando la bonne compréhension. Donc également les sacs au dos. Quelqu'un, son travail, lui dans son travail, il y a toujours sac au dos. Arrivé quelque part, il veut prier, il a le sac au dos. Il a prié. Est-ce qu'on va dire que sa prière n'est pas bonne? Non, sa prière est bonne. Il a fait un acte qui n'est pas approuvé, qui est désapprouvé. Et si bien ça le déconcentre. Mais quelqu'un même qui est habitué, chaque fois il y a le sac sur le dos, peut-être il va prier avec ça, mais il ne va même pas sentir. N'est-ce pas? Moi, je n'ai pas l'habitude de mettre le sac au dos. Si moi je prie, je vais sentir quelque chose sur le dos. Mon esprit sera toujours sur la chose. Mais l'idéal, c'est d'enlever, tu pries bien. Non. Wattafkir ou fi umuri dunya. Également penser dans les affaires de dunya. Le fait que l'esprit va sur les choses mondaines. Ça aussi, c'est désapprouvé. On n'a pas dit c'est interdit. Et on parle de quel genre exactement? On parle de quelqu'un, le négligent. Lui, il ne pense jamais à sa boutique, à ses affaires, à ce qu'il ne doit que dans la prière. C'est lorsque lui rentre dans la prière là qu'il commence à faire l'inventaire. On nous raconte l'histoire de quelqu'un. Un jour dans la mosquée comme ça, l'imam s'est trompé. Mais les gens sont divisés. Il y en a qui disent que nous sommes dans la troisième rakat. Ceux-là disent que non, nous sommes dans la quatrième rakat. Il y a un dans la mosquée, lui dit que non, c'est troisième rakat. Parce que moi, j'ai quatre boutiques. Dans chaque rakat, je fais les calculs d'une boutique. Donc moi, je me rappelle que j'avais fait les calculs de troisième boutique. Quatrième boutique, là, je n'ai pas fait les calculs. C'est que nous sommes dans la troisième rakat.
C'est une histoire nous a raconté, Allahu alam. Donc pour dire que quand on dit faut pas penser à dunya là, ça veut pas dire que quand tu viens t'arrêter, Allahu akbar, ton esprit allait ailleurs, tu l'as ramené. C'est pas de ça on parle. Personne ne contrôle son esprit, personne. Est-ce que c'est toi-même ton choix quand tu fais Allah, quand ton esprit va quelque part à Potopoto? C'est pas ton choix. En fait, la prière même, jihad ou nafs, c'est un combat contre ton âme. Donc quand tu t'arrêtes, Allah Akbar, si ton esprit va, le fait que tu tires, ton esprit va envoyer, ça va, tu tires, au contraire, Allah même te donne les mérites. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de quelqu'un qui est négligent. Lui, quand il rate Allah Akbar, tellement qu'il est négligent, il ne sait même pas ce que l'imam a récité. C'est de ça qu'on parle. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et il dit que non, il y a des savants ou bien il y a des pieux, lorsqu'ils font comme ça, Allah Akbar, c'est Allah, 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 jusqu'à la prière finie. Ce n'est pas ce que la charia nous a obligé. Non, non, non. La charia ne nous a pas obligé ça. C'est un niveau de spiritualité. Celui qui l'a atteint, alhamdulillah, c'est sa piété, c'est son degré dans la foi. Mais ce n'est pas ce que la charia nous a imposé. La charia nous a imposé, quand tu t'arrêtes dans la prière, mets ton esprit sur Allah. Ton esprit là, tu ne contrôles pas. Si ça va sur ton travail, ramène-le. Ça va à la maison, ramène-le. Ça va au village, ramène-le. C'est ce qu'on nous a demandé. On ne nous a pas demandé d'être robot. Non, non, non. Si quelqu'un, par spiritualité, par ça, il a atteint ça, alhamdulillah. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a imposé dans la charia. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, en résumé, tout ce qui peut te déconcentrer de la prière, il faut laisser. Donc, c'est toi qui te connais. Il y a des choses, nous sommes égaux dedans. Ça peut mélanger tout le monde. Tel que le téléphone qui sonne dans la mosquée là, ça mélange tout le monde. Mais par exemple, on a parlé de mettre le téléphone dans les poches. Peut-être que moi, ça ne me dit rien, absolument rien. Et des choses comme ça. Souvent, même, il y a le téléphone dans ta poche, tu cherches, tu trouves même. Déjà, ça c'est dans ta poche. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, voici les actes déconseillés de la prière. Il y en a d'autres. Parmi ces d'autres-là, qui n'est pas dans les livres, on va citer At-Tahassur. Mets les mains sur les hanches pour prier. Ça, c'est déconseillé. C'est désapprouvé. Il ne faut pas t'arrêter comme ça pour prier. Non. Également, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Casser les doigts là, non? En bon français, Bamba, comment on dit ça? Hein? Claquer les doigts. Ouais, ça, c'est désapprouvé dans la prière. Il ne faut pas faire. Ouais, ça veut dire que lui-même, hein? Il est disponible. Donc, faire ça, ce n'est pas bon. Également, regardez le ciel. Et quand tu pries dans le soujoud aussi, mets les bras comme ça sur la terre. Et la manière de s'asseoir, on a parlé de tout ça. Donc, c'est des choses qui n'annulent pas la prière, mais qui est déconseillée. On ne doit pas faire dans la prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Je pense que l'appel, c'est à 25, non? Oui, c'est 20 maintenant. 25. Donc, dans 5 minutes, on va résumer à Babara. Ou bien on va prendre les questions. Les questions, on prend les questions. Hein? Question ici là. Non. Oui, nous allons. Moi, je dis, quand il s'assied. Oui. Après, quand il tombe comme ça, première attaque. Il s'assoit d'abord. Très bien. Il y a des personnes dans la première attaque, lorsqu'il fait un sujoud. Deux sujoud. Normalement, on ne doit pas s'asseoir, non? On ne fait pas tayya là-bas. On se lève pour aller dans deuxième rakat. Lui, avant de se lever, d'aller dans deuxième rakat, il s'assoit d'abord, avant de se lever. Ça, c'est déconseillé. On ne doit pas faire ça dans la prière. On ne doit pas faire ça dans la prière. C'est déconseillé. Mais il y a un texte qui parle de ça. Et il y a un chapitre même dans le fiqh, dans la jurisprudence musulmane, on parle de ça. Jalsatul istiraha. L'assise du repos. On rapporte que le prophète sallam le faisait, mais les savants disent que c'est quand il avait atteint l'âge avancé, ça le fatiguait de se lever un coup, donc il s'asseyait un peu le temps de se lever. C'est pourquoi, malgré le hadith rapporté, les quatre grands mazhab
n'ont pas approuvé ça. On ne sait pas. Oui. Non. Oui. Oui. Le fait. Il a quel âge? Il a barbe blanche? Non. C'est un jeune. Peut-être qu'il tient au hadith. Mais en tout cas, nous, on ne travaille pas avec le hadith. C'est pourquoi, là, je m'adresse beaucoup à vous. Et c'est très bien. Il ne suffit pas qu'un texte soit hadith qu'on pratique. Non. Il faut regarder d'abord quel jugement les savants ont donné. N'est-ce pas? Le hadith existe bien, mais les savants disent que c'est quand le prophète avait l'âge avancé. Ce qui veut dire que nous, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi on va faire? Et c'est pourquoi avant de répondre, j'ai dit, est-ce que c'est un vieux? Peut-être qu'il a du mal à se lever un coup. Quand on donne la bonne compréhension. Non? Je voudrais savoir, quand tu es en train de prier sur la maison, oui. Ou bien dans ton lieu de travail, quelqu'un t'appelle, oui. Quelles sont les musiques que tu entends? Très bien. Tu es en train de prier, soit à la maison, soit au travail. On t'appelle. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne réponds tout simplement pas. Tu ne réponds pas seul, simplement. Pour le connaisseur, généralement, mais quand tu vas, ou bien toi dans ta maison, tu pries, ou bien madame en train de prier, quand tu appelles madame une fois, deux fois, toi-même tu te dis, ah, peut-être qu'elle est en train de prier. Donc pour le connaisseur, lui, il va savoir qu'il est occupé ou en train de se cacher. S'il veut, il va venir te regarder, mais peut-être que taper les mains, non. On ne tape pas les mains. Hein? Tu devais rester seulement, oui? C'est ça aussi qu'il ne faut pas faire. Même si. Je vois. Même le livre a parlé de ça. Racler la gorge. Fait. Non, ça ne gaspille pas. C'est déconseillé. Parce que c'est un son, mais qui n'est pas considéré comme la parole. Donc, il ne faut pas faire. Comme j'ai répondu à Bamba, tu ne fais rien simplement. Oui, 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 il faut savoir, c'est-à-dire en premier lieu, il faut savoir que racler la gorge, ça n'annule pas la prière. Ça, il faut le savoir. C'est juste déconseillé. Maintenant, quand toi, tu compares entre un non-musulman qui ne comprend pas les choses et pour vraiment un besoin pressant, si tu fais, en fait, il n'y a rien dedans. On ne parle pas d'interdiction. On ne parle pas de s'annuler de ta prière. On parle d'une action qui est désapprouvée seulement. Maintenant, quand tu as comparé entre les deux, tu as vu que c'est mieux de racler la gorge pour qu'elle charge. Il n'y a pas de souci. N'est-ce pas? Calme dans la bonne compréhension. On va s'arrêter. Oui, la dernière question. Oui. 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 Pardon? Oui. Tu es. Nous sommes en train de prêcher actuellement. Il y a des mérites dedans. Toi, tu rentres dans une mosquée, les gens sont en train de prêcher, mais dans une langue que toi, tu ne comprends pas. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux faire autre chose, la lecture coranique, nafla, en tout cas, parce que ce qu'ils disent à moi, je ne comprends pas. Bien sûr que tu peux faire. Et même, on va aller plus loin encore. Ce que nous sommes en train de faire, tu comprends très bien. Mais en tout cas, toi, tu veux faire un zik, tu veux faire une lecture coranique, il faut faire. Tu n'es pas obligé de venir nous écouter. Mais en tout cas, il y a beaucoup de mérites dedans. Et il faut chercher toujours à faire ce qu'il y a plus de mérites dedans. N'est-ce pas? Quand on donne la bonne compréhension. C'est la même question là. Le nombre des actes qui sont obligatoires, oui. Les non obligatoires, ça se répare avec le tablier. Et le nombre de ce qu'on vient de citer là, quel que soit le nombre, ça gaspille. Quel que soit le nombre que tu as fait, on ne fait pas la même chose qu'on vient de citer. Les macro là, est-ce que ça gaspille la prière? Le deuxième, on ne répare avec les lacs. Oui, oui. Et le dernier là que nous avons cité. Bien. Quel que soit le nombre. Oui. Bon, c'est que la question du papa, on va finir. Et puis.
Est-ce que les actes désapprouvés, al-makruhat, est-ce que ça annule la prière? Non. Est-ce qu'on doit faire réparation? Non. Mais maintenant, ça c'est le cas quand c'est un. Mais quand c'est beaucoup, dans la même prière, toi tu fais comme ça, toi tu fais comme ça, toi tu fais comme ça, est-ce que ça annule la prière? En tout cas, si c'est trop, ça devient de l'amusement, les savants disent que ça annule la prière. Maintenant, nous, on ne peut pas en tout cas dire c'est à quel niveau on va considérer que c'est beaucoup. Mais toi-même, avec ta conscience, tu dois savoir que tu es sorti dedans. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanak Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.